Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Et nous voilà en 1940 déjà. Ouais, tu sais toi-même. Bon, bref, j'arrête de chanter. Donc, nous voilà en 1940, puisque la dernière fois, on a fêté l'anniversaire de Simone, qui est notre première fille, et elle est devenue jeune adulte, et elle doit placer sa mère. Voilà. Et donc, je vais vous lire, pendant que tout le monde dort paisiblement, les règles des années 1940. Il faudra alterner, essayer de faire un bébé et faire crac-crac encore. La Seconde Guerre mondiale. Mais oui, parce que vous savez, elle a commencé en 1939. Et là, on va y arriver vraiment dedans, hein. Ça va être complicado. Je vais voir moi comment je vais faire vivre ça à la famille et au quartier et au monde d'Old Decades. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus, mais ça va venir. La Seconde Guerre mondiale. Pour le trait de vos petits-enfants, hommes, qui pendant cette décennie deviendront jeunes adultes, vous devrez procéder à un lancer de dés qui déterminera quel traumatisme ils auront. Entre glouton, sang chaud et fou. Ça sera pour Marcel. Mais Marcel, je pense qu'on a encore le temps, puisqu'il n'est même pas encore adolescent. Peut-être qu'il n'atteindra pas l'âge de jeune adulte dans cette décennie. Je ne sais pas. On verra bien. Ensuite, procédez à un deuxième lancer de dés qui déterminera qui de vos Sims va mourir pendant l'occupation. Homme, femme, jeune adulte et plus. C'est-à-dire que là, si je lance les dés aujourd'hui, je n'ai que trois personnes qui sont éligibles à la mort de la guerre, c'est-à-dire Albert, Marguerite et Simone. Mais je devrais faire ça, et puis comme ça on en perd peut-être trois, mais on a encore trois. Mais j'ai pas envie, j'ai pas envie de faire ça maintenant. Donc je le ferai plus tard. Je ne sais pas encore quand. Bien sûr, je ne peux pas vous donner de date. Je le ferai quand je le serai, quand je le sentirai surtout. Quand je sentirai que ça y est, le moment est venu de tirer les dés. De toute façon, ce sera forcément avant la moitié de la décennie. Pour savoir combien d'enfants vous devrez adopter, procédez à un troisième lancer de dés, en référence aux familles qui cachaient les enfants juifs pendant la guerre. Donc effectivement, c'est-à-dire que là, si on a des morts, ben, il faut qu'il y en ait, parce que sinon, si on doit adopter trois enfants et qu'on a un mort, je ne vais pas rentrer. Et oh, là, je ne veux pas la vitesse 3. Donc en fait, je ne sais pas encore comment ça va se faire, mais effectivement, il faudra que je le fasse rapidement, pour aussi qu'on adopte des enfants, des petits-enfants juifs, qui deviendront du coup des enfants de la famille, mais je ne pense pas qu'on les élira pour la suite. Decades, hein, pour la suite du challenge, ce sera pas des enfants susceptibles d'être héritiers. Chaque maison doit se posséder une radio et un membre de la famille doit l'écouter pendant au moins 1 heure par jour. Radio, blabla. Ok, donc on va devoir acheter une radio. La maison subit de gros dégâts, bombardements et la moitié du terrain est détruit. Interdiction de reconstruire cette partie à l'identique. Le but étant qu'il y ait un avant et un après. Ça, c'est ce que je vous ai dit une fois, c'est que de toute façon, j'allais devoir modifier en un certain sens la maison. Bon, pour l'instant, je vais pas le faire maintenant. Mais comme je vous ai dit, ça va arriver par la suite des épisodes. Ça va être un peu des épisodes et il va se passer des choses pas très géniales pour la famille et tout ça. Hein. Donc, armez-vous de mouchoirs, peut-être. Bon, après, je dis ça, vous n'allez peut-être pas pleurer, c'est que des Sims, c'est que des pixels. Hein, mais bon, voilà. On débloque les machines à glace, l'éclairage électrique qui est désormais accessible pour tous. Et les emplois pour les hommes et pour les femmes. Et on a ajouté la fête du travail. Comme nous, on est fin de l'été, la fête du travail, c'est pas maintenant, c'est au printemps. Donc je l'ajouterai plus tard. Et voilà pour les règles des années 1940. Donc je n'ai pas mis les emplois. Peut-être pour Simone, si elle veut travailler. On va peut-être la faire travailler. Elle pourra être criminelle, médecin, cuisine ou agent secret. Ouais, je la vois bien, agent secret. Ça pourrait être rigolo, hein? Pendant la guerre, elle pourra faire agent secret, tout ça. Et puis, il faudra lui trouver aussi un mari à la petite Simone, hein, parce qu'il ne faut pas déconner, mais là, on n'a carrément pas géré. Ah oui? D'accord. On n'a carrément pas géré le futur mari de la demoiselle. Donc, il va falloir s'y mettre assez rapidement. Allez Marguerite, tu vas être d'attaque à écouter Radio Blabla. Alors, j'ai trouvé que les postes radio étaient beaucoup trop récents, modernes. Donc, j'ai regardé le gramophone. Gramophone, parce que le truc de Hors de Gloire qui est super beau, là, le tourne-disque, celui-là, il est
un peu trop en avance, donc je vais lui faire écouter Radio Blabla, puisqu'on doit l'écouter une fois par jour pendant 1 heure. Bon, je vais essayer de... je suis pas sûre qu'elle écoute pendant 1 heure, hein, mais du moins elle écoute là. Parce que ça y est, la guerre a commencé et ça craint du boudin. Pendant que Albert, lui, il s'exerce au violon sous les yeux de son fils, qui n'a Dieu que pour lui. Oh papa, tu es le plus beau, tu es le meilleur des musiciens. Oh papa, papa, papounet. Bah, tu veux pas essayer de jouer, toi? Vas-y, joue. Ça va être une cacophonie, là, les deux violons. Hein. Regardez-moi ça, ce que c'est mignon. Ta 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 ta. Oh là là là. Oh my god. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Quand le fils veut imiter le père, ça ne fonctionne pas du tout. Oula! Et maintenant, il a chopé des zébrures, le pauvre Albert. Il est malade. Au secours! C'est de la mauvaise musique qui lui fait ça. Au secours! Ça le fait vachement, je trouve. Là, on écoute la voix et tout. Ça fait vachement effet de guerre, en fait. Je trouve que ça colle bien. Des tonnes de nazis déferlent dans les rues. Planquez-vous! C'est un peu ça. Oh bah zut alors. Bien sûr, quand on va au parc, il pleut la mort, quoi. Ok, ben super, il faisait beau chez nous, il pleut ici. C'est super. Et puis voilà qu'il y a carrément des orages, quoi. Allez, on se met tous à l'abri. Ils courent tous. Oh punaise. Hey! Il y a du mal. Qui es-tu? Thomas Sanders. Thomas Sanders n'est pas mal du tout, jeune adulte. Simone, Simone, tu peux te présenter. Notre rencontre eut lieu sous un orage dingue. Allez, tu te présentes. En fait, il parle tout seul, il est fou. Ah! Tu vas te prendre la foudre, mon gars, fais gaffe. Bah, ils sont tous stressés. Bah oui, mais je savais pas qu'il pleuvait, moi, ici à Willow Creek, quoi. C'est chiant. Allez, présente-toi. Il est mignon. Voilà, c'est bien, tu peux discuter ici maintenant. Discuter ici. Qu'est-ce que tu as à faire, toi? Elle va regarder les nuages sous la pluie. Non, mais hé. Elle est folasse, hein, celle-là aussi, hein, je vous le dis, hein. Vous savez ce que je me suis gouré la dernière fois? J'ai dit, j'ai fait le rapprochement en disant: Oh, mais attendez, il s'appelle Morin, c'est le frère de. Non, j'étais complètement dans les choux. C'est le fils d'Arthur, tout simplement. Non, mais moi, ça va plus, hein. Ça va plus du tout. Il y a des jours où je sais plus. Bon, bah, toutes les filles vont se présenter à ce jeune homme, hein. C'est un bon parti, hein. Il est plutôt pas mal. Il est bien bâti, il a une belle gueule. Donc, ça dépendra qui survit, qui ne survit pas. Mais en tout cas, on a un homme, un mâle disponible pour les filles, quoi. Ah bah oui, il faut bien commencer, hein, à un moment donné. Hein. Parce qu'en plus, je vous rappelle que pour passer à la décennie suivante, donc 1950, ce sera quand le premier petit enfant deviendra enfant. Donc, là, je pourrais mettre Simone enceinte tout de suite, mais bon, voilà. On va prendre un peu le temps, peut-être, cette fois-ci. C'est quand même un concept d'avoir toute la famille coincée dans un si petit espace parce qu'il pleut et qu'il y a des orages, quoi. C'est le seul espace couvert du parc. C'est vraiment. Si j'avais su, on serait resté à la maison parce que là, la flotte, ça va pas du tout. Hein. Bon, en plus, on est 3 filles sur le même garçon. Ça craint. Et Marcel, il discute qu'avec des garçons. Il n'y a pas de filles dans le coin. C'est nul. Ah, il est joyeux. Je sais même plus comment il s'appelle. Thomas. Thomas Sanders. Il est joyeux et imprévisible, hein. Il me semble que j'ai vu tout à l'heure. C'est plein de la pluie. Tu vas pas faire des grillades, meuf. Allez, toi, avec ton téléphone, tu arrêtes ça. Tu as illuminé sa journée. Donc, il est joyeux. Il ouais, faut que tu fasses connaissance. Tu discutes avec... Lui, il va dire, autant de monde sur moi, de femelles. Que se passe-t-il? Bah écoute, t'es beau gosse, moi j'ai envie de dire, c'est normal. Attendez,
Et là, c'est quoi? C'est qui? Florent. Comment? Florent Johnson, un ado. Ouf, il a pas l'air. What? C'est quoi ce ventre? Ah, c'est dommage. T'es mignon, mais c'est pas possible. Non, non, en fait, t'es même pas mignon. T'es bizarre. J'aime pas. Mais tu fais quoi sous la pluie, Simone? Tu fais le tapin ou quoi? Y a personne, regarde. Ah bah voilà. Tu vas te prendre la foudre et puis après tu viendras te plaindre. Non mais dis, rentre, viens te mettre à l'abri, Nunuche. Voilà, on a changé d'endroit, on est revenu à côté de la maison. Hein. La maison ici, c'est le parc que j'avais créé avec la belle église. Que je vous montre hein, toujours. Celui-là depuis le départ, le parc. Hein. Bon, au moins le temps est plus clément et on peut se faire, voilà, on peut faire plusieurs choses. C'est plutôt sympathique. Hé, hey, mais tiens, viens. Arrête avec ton barbecue. Il y a un puits à souhait ici. Je pense pas que c'est interdit le puits à souhait. Tu pourrais faire une offrande de 100 simflouzes. Hein, c'est quand même pas mal, 100 simflouzes. Et puis tu vas faire un vœu de trouver l'amour. Et ouais, peut-être que ça va pouvoir nous mettre un homme sur le chemin. Et ce serait sympa. Alors, une offrande appropriée. Le puits à souhait chantant est satisfait plus enclin à exaucer les vœux. Alors? Mais à chaque fois, j'ai le visage sur le puits à souhait à implanter la technique de drague ultime dans l'esprit de Simone. Utilisez-la de matière avisée sur l'objet de son affection, car une fois les mots prononcés, ils s'effaceront de l'esprit de Simone. Mais moi, ça s'est jamais mis à matérialiser un Sims. J'aimerais bien, hein, mais ça n'a jamais été le cas. Oh là là! Oh là là! Ça y est, même Marguerite se met à la guitare. Oh, le carnage! Carnage! Non mais elle! Non mais elle! Elle nous cherche! Elle nous cherche! Viens là! Qu'est-ce que t'as eu toi? Vision impossible oubliée. Vas-y, viens ici! Joue un concerto! En plus, dans un lieu public et dans ce type d'endroit, c'est parfaitement adapté. Ouais, alors vous allez arrêter parce que ça va pas être possible. On laisse que notre ami Albert faire. Ce qu'il sait faire. Et voilà, et ça c'est la classe. Pour une fois qu'on sort et qu'on est dans un parc. Bon, c'est bien pour sa notoriété, mais bon, il n'y a personne qui vient le voir, donc ça sert un peu à rien. Mais bon. Au moins je produis en public, c'est toujours ça. Albert et ses premières fans. Les femmes de sa vie. Enfin, sa vie actuelle, hein, parce qu'on n'oublie pas sa mère et ses sœurs, évidemment. Elle est repartie pour un concerto et elle toute l'admire et tout le monde arrive. Parce qu'il n'y a pas de grand monde d'autres dans le parc, donc c'est dommage. Mais au moins, on est tranquille. Et ben voilà, après le violon et le piano, elle se met à la guitare. Et en fait, je viens de découvrir besoin de faire du bruit. Face de l'enfance, cette cime a fait entendre sa voix au monde entier. Elle hurle, fait du bruit avec des instruments et écoute de la musique aussi fort et souvent que possible. Nous recommandons les bouchons d'oreille aux autres membres de la famille. C'est drôle! C'est pour ça qu'elle est attirée vers la musique. Parce qu'elle n'a pas le trait de la musique, mais... Elle a rien de nouveau. Elle... Non, elle a rien. Rien de spécial... Et lui non plus. Ok, donc il y a vraiment que Gisèle qui a ce petit truc en plus, quoi. C'est dommage, ce parc. Personne vient le voir. Je suis d'une tristesse. Ah. Est-ce que vous pouvez danser ensemble? Ce serait rigolo. Je sais pas comment ça fonctionne, mais tu peux danser... Te brûle pas, ma belle, hein? Fais attention. Vous pouvez danser ensemble autour du feu, voir ce que ça donne, parce que j'ai jamais vu ça, il me semble. Ah. C'est juste ça, je pensais qu'il y avait une danse spéciale, genre une danse des Sioux ou je sais pas quoi. Une danse de Sioux. Bah oui, pourquoi pas, à tourner autour et tout. Ah, ça pourrait être marrant, remarque. Hein. Ah bah oui, d'accord. Ils se mettent tous à un point, là, il y a que Irène qui sait pas où se mettre correctement quelque part, mais... D'accord. Oh, c'est spécial, hein. C'est spécial, mais d'accord. Si on veut. Il n'y a pas de problème, on va dire ça. Il n'y a pas de musique, mais on danse. Voilà. Bon, il se fait tard, il y a un peu 1h du matin, on va peut-être rentrer à la maison tranquillement.
Oui, on est rentré à la maison. Que se passe-t-il alors à la maison, tout le monde? Et puis, franchement, l'autre, il a rien foutu. J'en peux plus de ce majordome, hein. Je n'en puis plus. La radio blabla. Ouais, d'accord. Bon, allez, tout le monde au lit. Est-ce que tout le monde va se coucher? Oui. Et oui, c'est un sans faute. Ils sont bien élevés, mes petits Sims, hein, vous voyez. J'ai même pas besoin de leur dire. Ils voient leur maison, ils disent, ouais, allez, vu l'heure, on va aller se coucher, nous, hein, et puis ça sera plutôt pas mal. Par contre, ça fait une éternité qu'on n'a pas fait la lessive. Et il va peut-être falloir un de ces quatre. Du moins, quand il pleut pas, comme ça, c'est Marguerite qui la fera. Oula! Attention. Bon, ben moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. La semaine prochaine, on va peut-être rentrer un peu plus dans le sujet avec la guerre. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Qu'il y a des nazis qui se baladent peut-être dans la ville, ce serait pas mal. Allez, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la suite du Decade Challenge ou d'autres choses. Salut!